dernières années, j'ai souhaité mettre en avant le répertoire moderne de la guitare. Et donc j'ai collaboré avec de nombreux compositeurs. Nous avons écrit des pièces ensemble. Ça a d'ailleurs été le thème de mon disque encore passé, qui s'appelait Cities. Suite à cet enregistrement, j'ai entamé une aventure avec Sony. Et le travail que nous faisons ensemble a donc un peu changé mon quotidien, forcément. Et pour ce premier disque qui était consacré à Scarlatti, nous avions voulu un rendez-vous avec la musique classique, une forme de retour au grand répertoire connu et aimé de tous. Et Scarlatti s'était imposé naturellement à moi, c'est un compositeur qui m'est cher depuis presque, pas mes premières notes, parce que c'est pas évident à jouer, mais depuis mon jeune âge en tout cas. Albéniz est arrivé naturellement puisque c'est un compositeur immense, très apprécié des musiciens en général, du public bien évidemment avant tout, mais des musiciens, beaucoup joué à la guitare aussi. Certaines pièces sont même presque plus connues à la guitare qu'elles ne le sont au piano, instrument pour lequel il a écrit principalement. Et également, il a écrit toute une série d'œuvres en hommage à des villes et des régions espagnoles. Et donc, je trouvais que c'était parfait par rapport à ce que j'avais envie de présenter cette année. J'ai eu le bonheur d'enregistrer dans un lieu absolument magique. Ce que je souhaitais pour ce disque, un enregistrement avec une sonorité complètement pure. Parfois, les enregistrements, le son se fait en deux temps. D'abord lors de l'enregistrement, puis en studio, plus tard en post-production, où on ajoute des réverbes, différentes petites choses. Et pour ce disque-ci, où la musique d'Albéniz a une dimension de couleur très forte, je souhaitais créer l'intégralité du son lors de l'enregistrement, un peu pensé comme un enregistrement live. Et donc, dans cette idée, je suis parti en quête d'un lieu doté d'une acoustique un peu unique, enfin une acoustique parfaite à mon sens pour Albéniz. Et tout cet été, en parallèle de ces sessions de travail entre le Maroc et l'Espagne, je fouinais un peu partout un lieu, et j'ai donné un concert au mois de juillet dans un château bordelais. Et lors du concert, je me suis dit le son est absolument parfait pour ce que je veux faire, et ce serait idéal d'enregistrer là, d'autant que je suis bordelais. Ma région m'est chère, j'ai la chance et le bonheur et l'honneur d'être ambassadeur de Bordeaux Métropole. Et du coup, je me suis dit, c'est absolument parfait. Et quitte à choisir un château de vin, autant choisir le plus prestigieux, le plus beau. Et j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis dit, pourquoi pas proposer au célèbre, au fameux château Lafitte Rothschild. Et ils ont été très, très enthousiastes. Et voilà, le partenariat est né. Et donc j'ai enregistré dans leur chez, qui est un endroit magique pour plusieurs régions. Il a été créé par un célèbre architecte espagnol qui est Ricardo Bofill. Donc Espagne et Albéniz, en plus, un lien étonnant, enfin, tout est finalement assez lié. Donc Ricardo Bofill a créé ce chez absolument merveilleux dans cet endroit qui est assez magique, dans des vignes, un château ancien. Et on entre donc dans un escalier, une forme de mise en abîme pour arriver jusqu'à ce chez. On descend un large escalier qui mène à un long couloir sombre, lors d'un couloir qui fait peut-être 200 mètres. Sur les côtés, il y a des caves avec des bouteilles de prestige incroyable. Et à la fin de ce couloir, on arrive sur une autre porte, et là, on entre dans ce chez qui est immense, éclairé de façon, on a l'impression d'entrer dans la caverne, un trésor. Et c'est là où a lieu cet enregistrement. Donc il y a une forme de mise en abîme totale. Et il se trouve que par hasard, car ça n'était pas voulu à l'époque, Ricardo Bofill, en créant ce chez, a créé un lieu avec une acoustique unique. Et donc parfois, ils organisent de rares concerts. Et donc ce lieu est connu des musiciens pour avoir cette acoustique-ci. Donc
Voici l'histoire du disque qui sort dans quelques jours et qui va s'appeler donc Le Voyage d'Albénis. L'école française de la guitare aujourd'hui a vraiment une image très forte. Il y a beaucoup de grands interprètes, il y a beaucoup de bons compositeurs, de formidables luthiers. Donc c'est vrai que l'image de la guitare classique française à l'étranger est très bonne. Et il y a une vraie identité, je pense, française qui se forge ces dernières années. Les concours ont une part importante dans l'évolution d'un guitariste et donc d'une école. Et en France, les gens maintenant sont habitués à faire des concours. Moi, quand j'ai commencé à en passer, on était très peu. J'étais peut-être l'un des premiers à en avoir passé autant. Il y a des guitaristes qui en ont passé avant, bien évidemment, et qui ont remporté de beaux prix. Mais peut-être que la j'étais peut-être l'un des premiers à en avoir passé une quantité aussi importante. Après, c'est un choix personnel que j'ai fait. Moi, il se trouvait que ce monde des concours me passionnait et je trouvais que ça avait un vrai sens dans mon évolution musicale, mon évolution humaine aussi. Et donc, j'ai fait ce choix d'en passer beaucoup, vraiment par plaisir au départ. Et puis, j'étais assez jeune dans l'âge, mais aussi jeune dans ma tête. Et du coup, je vivais tout ça avec naïveté. J'allais d'un concours à un autre, prenant ça comme un jeu, souvent accompagné à l'époque de mon père. On traversait l'Europe avec notre vieille Volvo rouge, qui était un peu notre petit emblème dans ce monde de guitare. Et voilà, c'était vraiment fun, quoi. C'était cette idée-ci. Et le fait, encore une fois, que j'ai passé ces concours assez jeunes, faisait que j'avais pas conscience de l'investissement que c'était, de temps, d'énergie, financier aussi. Et donc j'arrivais sur scène naïvement en jouant, en essayant de jouer le mieux possible. Et à l'époque où je travaillais des concours, je préparais des concours, je travaillais une dizaine d'heures par jour, un travail très, très sérieux, très réfléchi, très organisé, toujours avec le métronome, le chronomètre, tout était parfaitement calé, c'était presque psy, c'est presque un délire où je notais des choses, etc. Aujourd'hui, le travail est différent, j'ai moins le temps de passer des heures avec la guitare, avec les voyages, les rendez-vous, les concerts, etc. Donc c'est un travail qui est un petit peu plus psychologique, philosophique, savoir quel chemin entreprendre. Toutes les pièces que je joue aujourd'hui sont vraiment réfléchies, sont choisies. Quand je fais un programme d'un concert, je passe énormément de temps aussi à essayer d'agencer tout pour créer un réel moment de la première à la dernière note du concert. Quand je fais un disque, c'est également cette chose-ci. Donc il y a un travail qui est différent, qui est plus philosophique que technique peut-être aujourd'hui. Années passent, plus je suis sensible à l'environnement. Quand je donne un concert, voilà, plus avec le temps, j'essaye d'être de plus en plus nourri de l'acoustique de la salle, de la réception du public, de la taille de la salle, du cadre dans lequel je joue. Aussi, les heures que j'ai passées avant le concert dans la ville à me promener ont une réelle influence sur mon jeu. Et plus le temps passe,
plus je suis sensible à tout ça, et je pense que c'est important, enfin en tout cas dans ma vision à moi, de voir que c'est de faire que chaque concert est un moment unique pour le public, je l'espère, mais aussi pour moi, et essayer que le concert soit un moment de partage, une forme d'une œuvre un peu interactive, non pas comme quand on va au musée où on apprécie un tableau qui est déjà une œuvre terminée, où le spectateur est parfaitement passif, où il apprécie la grande œuvre avec un regard extérieur. Pendant le concert, moi j'ai des images d'enfants où, grâce à mon père, mon entourage familial qui était au plus dans les musiques actuelles, j'allais très souvent à des concerts très variés, et entre autres des concerts de rock, où là par exemple un concert de rock, le public a une part très importante dans le moment. Et j'essaye aujourd'hui, tout en restant un guitariste classique, de m'influencer de ça. Ce monde-ci que je pense très important, c'est aussi de sortir, de jouer, de porter la guitare dans des festivals de musique en général, de porter la guitare aussi pour un public qui est amateur d'art en général, de peinture, de théâtre, et puis également porter la guitare encore plus loin pour des gens qui sont a priori pas sensibles à l'art. De la guitare, toucher un public toujours de plus en plus nombreux, de différentes générations, venant de différents mondes musicaux. L'idée de rassemblement est quelque chose de très important pour moi, et d'ailleurs je pense que ça se voit dans ma tournée, quand on regarde les lieux dans lesquels je me produis. Donc c'est une idée qui est forte, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec bonheur d'être le parrain de la Paris Guitar Foundation, car on a une philosophie commune, cette idée de rassembler, et on est amoureux de la guitare, et quand on aime quelque chose, l'idée c'est de partager cet amour avec le plus grand nombre possible, et donc de savoir cette structure existante, cette association qui va viser à réunir les talents français, les guitaristes français, les amoureux de la guitare. C'est une idée qui me plaît beaucoup, et je suis très heureux d'accepter avec bonheur cette invitation, et je suis très heureux d'être le parrain de cette nouvelle aventure.